à tous. Merci de vous être connectés pour ce webinaire sur la prise en charge de la lithiase urinaire par l'équipe d'urgence calcul Paris. Alors, tout d'abord, je vais vous exposer un peu l'épidémiologie du calcul urinaire, puis nous discuterons de la colique néphrétique et de ses différents tableaux cliniques. Ensuite, nous vous parlerons de la prise en charge de la colique néphrétique, à la fois médicale puis chirurgicale. Et enfin, nous finirons par la prévention et tout ce qu'il faut faire pour éviter les récidives. Et enfin, nous finirons en plus par vous exposer l'équipe Urgence Calcul. Alors, quelques chiffres. La lithiase urinaire, c'est la formation des calculs dans les voies urinaires. C'est une pathologie qui est extrêmement fréquente et qui touche presque 3 à 6 millions d'habitants de la population française, c'est-à-dire 5 à 10% des gens sont concernés. S'il n'y a pas de prise en charge, presque 50% des calculs récidivent dans les 5 ans. Alors, ça touche plus les hommes que les femmes, avec un ratio de 2 hommes pour une femme. L'âge moyen de découverte est de 40 ans chez la femme et de seulement 35 ans chez l'homme. La colique néphrétique, qui est le tableau le plus fréquent de manifestation de la colique néphrétique, représente presque 180 000 passages aux urgences, en sachant que presque 80% de ces patients retournent à domicile et seulement 20% nécessiteront une intervention ou une prise en charge par un urologue. Ce que vous pourrez dire à vos patients, au niveau des calculs, c'est que lorsqu'ils font moins de 4 mm, plus de 90% vont être expulsés spontanément. Par contre, quand ils feront plus de 8 mm, cela nécessitera forcément une prise en charge par un urologue. Alors, quels sont les facteurs qui favorisent les calculs? Nous verrons ça plus tard, vers la fin du webinaire sur la prévention, mais tout ce qu'on peut vous dire tout de suite, c'est que la principale cause des calculs est le manque d'hydratation. C'est des gens qui font beaucoup d'activités physiques et qui boivent moins d'un litre d'eau par jour. C'est des gens qui mangent beaucoup de viande, c'est-à-dire beaucoup de protéines, et qui sont en excès dans le sel et la prise d'aliments riches en calcium. Il y a aussi les uropathies qui favorisent les calculs, telles que la maladie de Cacchi-Ricci ou le rein en fer à cheval. Enfin, il y a quelques antécédents familiaux. Un père calculeux présente souvent un enfant qui présente une colique néphrétique. Et enfin, il y a les hypercalciuries ou les hyperoxaluries idiopathiques dans la plupart des cas. Parfois, on retrouve des hyperparathyroïdies associées. Et les gens qui souffrent de MICI, c'est-à-dire de rectocolite hémorragique ou de maladie de Crohn, présentent parfois des calculs récidivants. Alors, il y a plusieurs types de calculs. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est que près de 70% des calculs sont composés d'oxalate de calcium. Seulement 10% sont composés d'acide urique, qui présente chez les gens qui ont un syndrome métabolique avec un pH urinaire acide et une hyperuricémie. Et enfin, il y a à peu près 15% des calculs qui sont liés à des agglomérats de phosphate de calcium, notamment les calculs de Struvite, et qui sont souvent pourvoyeurs d'infections urinaires. Alors, les différents tableaux cliniques de manifestation du calcul, principalement, c'est la colique néphrétique. Donc, c'est une mise en tension brutale des cavités rénales qui est liée à l'obstruction. Alors, la cause principale, c'est le calcul qui bloque les voies urinaires, mais il peut y avoir aussi une obstruction extrinsèque, comme une tumeur ou une inflammation extérieure liée à des adénopathies. Alors, les facteurs qui favorisent la lithiase, c'est les saisons chaudes avec la déshydratation, l'immobilisation prolongée, comme les voyages longs en trajet en voiture, ou bien sûr l'antécédent de calcul. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le tableau de la colique néphrétique, mais c'est une douleur lombaire aiguë, paroxystique, qui ne cède pas avec un début brutal. Elle est souvent unilatérale, elle irradie vers les organes génitaux externes. Elle peut s'accompagner de nausées, de vomissements et parfois d'ileus réflexe. Parfois, quand le calcul est assez bas, il existe des troubles mictionnels irritatifs et de temps en temps, une hématurie macroscopique peut apparaître. Il y a d'autres formes cliniques avec des douleurs plutôt au niveau de la fosse iliaque qui peuvent évoquer des étiologies abdominales comme une sigmoïdite. Parfois, les troubles urinaires sont au premier plan.
Parfois également, il peut y avoir que des douleurs testiculaires isolées, donc il faut penser à la colique néphrétique. Et parfois, c'est le syndrome occlusif qui est au premier plan. Alors, bien sûr, il faut évoquer les diagnostics différentiels. En premier lieu, chez la femme, ça peut être une torsion d'annexe ou une grossesse extra-utérine. Chez les hommes, il faut penser à l'appendicite ou la sigmoïdite quand il y a des douleurs à gauche. Et dans de rares cas, il faut penser à l'anévrisme. Donc, on classifie les coliques néphrétiques en deux catégories. La colique néphrétique simple, qui est soulagée par les traitements médicamenteux. Le patient n'a pas d'arrêt de diurèse et il n'y a pas de signe de sepsis. Par contre, et c'est là où intervient l'urologue, c'est une urgence chirurgicale, il y a plusieurs tableaux qu'il faut bien connaître. Tout d'abord, c'est la pyélonéphrite obstructive, c'est-à-dire qu'on appelle la colique néphrétique qui s'accompagne de fièvre. Et là, il faut appeler l'urologue, il faut dériver en urgence le patient et le mettre sous antibiotiques pour éviter un choc septique. Deuxièmement, il y a la colique néphrétique anurique. Alors, c'est rare, mais ça apparaît sur les gens qui ont un rein unique ou les gens greffés. Donc, ça, c'est une urgence vitale également. Et enfin, la colique néphrétique hyperalgique, c'est une colique néphrétique qui ne cède pas aux antalgiques usuels. C'est un patient qui fait des crises persistantes pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc, les examens complémentaires qu'il faut réaliser dans un premier temps, c'est l'imagerie. Alors, actuellement, on demande souvent un scanner non injecté. Ça devient le gold standard avec une très bonne sensibilité et une très bonne spécificité. Quand le scanner n'est pas disponible, vous pouvez demander dans un premier temps une échographie associée à une ASP. Ensuite, au niveau de la biologie, c'est le CBU qui prime pour vérifier qu'il n'y a pas d'infection. Et bien sûr, demander une numération standard associée à une CRP pour voir les signes d'inflammation. Voilà. Donc, la prise en charge médicamenteuse, elle commence toujours par un traitement par INS, souvent kétoprofène ou diclofénac. Les antalgiques de palier 1, palier 2. Et parfois, quand la douleur persiste et qu'elle ne cède pas avec les traitements antalgiques de palier 2, passer au morphinique. Mais là, il faut commencer à songer à prévenir l'urologue. Les traitements alternatifs, les antispasmodiques, ce n'est pas encore prouvé, mais on le prescrit de temps en temps. Les corticoïdes, de temps à autre. Et les alpha-bloquants, alors souvent, quand le calcul est situé au niveau pelvien, quand il est lombaire, il n'y a pas d'intérêt à utiliser les alpha-bloquants. Après, il y a des autres techniques qu'on peut utiliser, par exemple une bouillotte au niveau de la fosse lombaire. Parfois, certains ont préconisé de l'acupuncture, mais je pense que ça reste anecdotique. Alors, merci Karim. Je vais vous parler de la prise en charge chirurgicale des calculs rénaux et urétéraux. Alors, il y a différentes modalités pour prendre en charge les calculs de façon chirurgicale. La plupart du temps, on va faire ça par voie endoscopique, soit par urétéroscopie rigide ou urétéroscopie souple. On peut aussi faire ça par lithotrichie extracorporelle. Après, il y a d'autres moyens de le faire aussi. C'est par on va en reparler rapidement. Néphrolithotomie percutanée, on en fait de moins en moins, mais elle a encore certaines indications. Alors, ce qu'on fait quasiment plus, c'est la chirurgie ouverte ou célioscopique pour aller retirer un calcul, un volumineux calcul pyélique. Ça se faisait avant, on n'en fait quasiment plus. L'urétéroscopie, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez une image d'un urétéroscope en bas à gauche. C'est une grande caméra, c'est une grande tige rigide qui doit mesurer au moins 70 cm qu'on va introduire par la verge et on va aller monter dans l'urètre par les voies naturelles donc, pour aller accéder au calcul qui bouche et qui obstrue l'évacuation des urines. L'urétéroscopie rigide, c'est réservé aux calculs qui sont dans l'axe de tir de l'urétéroscope, c'est-à-dire dans l'urètre, que ce soit l'urètre, le bas urètre, l'urètre iliaque ou l'urètre lombaire. On ne peut pas accéder dans un rein avec un urétéroscope rigide. Là, vous avez des petites images à droite d'un calcul qui était obstructif dans l'urètre. On monte d'abord un guide de sécurité dans l'urètre et derrière, on va sur l'imagerie, on a un petit laser qui va aller vaporiser le calcul, on va le transformer en poussière, des fois on va avoir des fragments, ce qu'on voit sur l'image. Ces fragments, on va les retirer avec des pinces et à la fin de l'intervention, normalement, l'urètre est libre de tout obstacle. Et donc, le patient va pouvoir retourner à sa vie de tous les jours sans calcul.
Ce qui a changé un petit peu la donne, c'est l'apparition de l'urétéroscope souple. Alors, ça fait un petit moment que ça existe, mais les instruments se sont nettement améliorés. Les premiers urétéroscopes souples, on les a connus, ils étaient extrêmement lourds. L'image, elle était analogique, on ne voyait pas très bien. C'était fatigant pour l'urologue, on transpirait pas mal. Par ailleurs, les sources de laser de l'époque n'étaient pas aussi puissantes que maintenant. Il y a des fréquences de tir beaucoup moins fortes et beaucoup moins rapides qu'aujourd'hui, ce qui rendait la vaporisation de certains calculs assez fastidieuse. Au début, tous les calculs n'avaient pas, tous les centres n'avaient pas accès à l'urétéroscope souple. Moi, quand j'ai commencé il y a un certain temps, on me disait, tu apprendras ça dans un centre expert. Parce que tout le monde était encore au début à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Là, depuis une dizaine d'années, tout le monde sait utiliser un urétéroscope souple. La durée de vie d'un urétéroscope souple, c'est environ 60-70 utilisations dans une équipe entraînée et par des urologues qui ont l'habitude de faire l'urétéroscopie. Sinon, ça peut se casser très rapidement. Donc, comme je vous dis, il y a des nouveaux lasers qui sont sortis. Là, à la clinique de l'Allemagne, on a un laser holmium de dernière génération qui peut envoyer des fréquences de tir très importantes, qui peut permettre de vaporiser des très gros calculs relativement rapidement. Là, je vous ai mis des petites images de panier, alors, il y en a plein, qui permettent de retirer les fragments à la fin de la vaporisation, de telle manière à ne pas laisser de fragments en fin d'intervention. Et là, ce qui a aussi pas mal changé là, ces derniers temps, c'est qu'on utilise tous maintenant des urétéroscopes numériques avec une image magnifique. C'est un peu l'équivalent de la 4K quand on a changé de télé, donc ça a vraiment changé la vision et ça rend le travail beaucoup plus simple. Bon, il y a aussi l'apparition des urétéroscopes jetables maintenant. Donc, c'est des urétéroscopes à usage unique qui nous permettent d'avoir accès assez facilement à l'urétéroscopie dans la plupart des centres, parce qu'un urétéroscope à usage multiple, ça coûte relativement cher. On réalise encore je vais vous revenir sur les indications sur chaque traitement, mais on fait quand même de moins en moins de lithotrichie ou de néphrolithotomie percutanée. La lithotrichie, ça consiste à envoyer des ondes de choc sur des calculs pour les transformer en poussière et en petits fragments. Il y a certaines indications à bien respecter, mais la proportion de lithotrichie par rapport à l'urétéroscopie s'est nettement inversée. Il y a une dizaine d'années, on faisait de la lithotrichie à tout le monde en première intention. Là, on fait quand même de moins en moins de lithotrichie. La NLPC, la néphrolithotomie percutanée, ça consiste à ponctionner un rein par voie percutanée pour certains volumineux calculs. Alors, on en faisait beaucoup plus il y a longtemps. Maintenant, avec les lasers qui se sont améliorés, la visibilité des urétéroscopes qui s'est aussi améliorée, on en fait quand même de moins en moins, surtout à cause de la morbidité de la néphrolithotomie. Moi, je vous ai remis les recommandations sur les prises en charge. On recommande de faire une lithotrichie en première intention pour les calculs de moins de 2 cm lorsqu'ils sont radio-opaques et qu'on peut les prendre en charge. On peut aussi faire une urétéroscopie, c'est une option qui est envisageable dans la plupart des cas. La néphrolithotomie pour des petits calculs, ça peut être réalisé s'ils ne sont pas accessibles par exemple à une urétéroscopie. Donc là, on peut, dans certains cas, sur des calculs caliciels inférieurs, avec la déflexion maximum de l'urétéroscope, des fois on n'arrive pas à accéder au calice. Et la seule solution, c'est la néphrolithotomie percutanée. Pour les calculs de plus de 2 cm, on essaye de favoriser la NLPC. Maintenant, avec les nouveaux lasers, une urétéroscopie, ça peut largement être tenté sur des gros calculs. C'est une option qui est acceptée par la plupart des urologues. Pour les très gros calculs, c'est ce qu'on appelle des calculs coralliformes qui vont mouler les cavités rénales. La néphrolithotomie, ça doit être le traitement de première intention. Elle peut être combinée avec un double abord, avec une urétéroscopie par le bas, dans le même temps. Moi, ce que je veux quand même faire passer comme message, c'est que la plupart du temps, maintenant en France, pour un calcul, on propose assez facilement une urétéroscopie en première intention, en particulier chez les gens qui ont des troubles à coagulation, qui ont des calculs relativement denses, parce qu'une lithotrichie pour un calcul qui fait plus de 1000 unités Hounsfield, ça ne marche pas bien. On peut assez facilement proposer une urétéroscopie. L'urétéroscopie, c'est une intervention qui est peu risquée. Il n'y a vraiment pas beaucoup de risques. Le principal risque, c'est le risque d'infection.
tous les autres risques, c'est des risques qui sont vraiment anecdotiques. Donc, il n'y a vraiment pas grand risque à faire une urétéroscopie. Ça permet quand même de traiter complètement le patient. Une fois l'intervention terminée, il n'y a plus de fragments, il est guéri. Ce qui n'est pas forcément le cas avec une lithotricie. On peut se retrouver avec des empirements et des petits problèmes. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue qui va vous parler du bilan métabolique des calculs urinaires. Bonsoir à tous. Donc je vais vous parler de probablement la partie la plus intéressante de cet exposé, c'est-à-dire de comment éviter les récidives, puisque comme vous l'a dit Karim en début de webinaire, en l'absence de prise en charge adaptée, la lithiase urinaire récidive dans à peu près un cas sur deux, et ça c'est à 5 ans, mais à plus long terme, c'est des patients qui récidivent pratiquement toujours si on ne modifie pas leurs habitudes ou si on ne trouve pas la pathologie sous-jacente. Donc, en premier lieu, il va falloir faire un bilan un peu du patient, un bilan métabolique, mais c'est en premier lieu l'interrogatoire qui va rechercher des antécédents familiaux de maladies lithiasiques, hypercalciurie, néphrocalcinose, goutte, cystinurie plus rarement. On va s'intéresser aux antécédents personnels du patient en cherchant des infections urinaires, une goutte, un traitement potentiellement lithogène dont je vous parlerai tout de suite après, des malabsorptions, donc ça c'est dans le cadre des MIKI, les maladies de Crohn, les rectocolites hémorragiques, par malabsorption, il peut se former des calculs. Et il est important également de réaliser une enquête diététique auprès des patients, savoir un petit peu quelle est leur absorption de liquide, de calcium et d'autres composés lithogènes. Je vous ai parlé des médicaments potentiellement pourvoyeurs de calculs. Alors, il peut se former des calculs par différents mécanismes, soit des médicaments vont favoriser la lithiase. Donc ça, c'est le cas, entre autres choses, de la vitamine D. Et c'est le médicament, c'est le principal médicament pourvoyeur de calculs. Il y a également des médicaments qui vont former des calculs par précipitation de leur métabolite. En particulier le xylorique, certains antibiotiques qui vont cristalliser dans les urines et former des calculs. Une fois cet interrogatoire réalisé, on va pouvoir réaliser un bilan de première intention, qui est un bilan sanguin et urinaire, qui va permettre de connaître l'état métabolique du patient. Donc, le bilan sanguin est assez simple. Là, c'est les recommandations du CLAFU, qui est le comité de lithiase de l'Association française d'urologie. Donc, il va consister à réaliser une fonction rénale, une natrémie, une calcémie, une glycémie, un acide urique sur le bilan sanguin. Sur les urines du matin au réveil, un ECBU, un pH urinaire et une mesure de la densité urinaire. Et sur un bilan urinaire des 24 heures, donc on demande aux patients de remplir sur 24 heures un bidon avec toute l'urine urinée sur une journée, on va étudier la créatininurie, l'urée, la calciurie et surtout le volume urinaire qui est le facteur le plus important. Suite à ce, donc par contre, excusez-moi, donc ces différents items vont permettre de valider le recueil. La créatininurie va permettre de valider que le recueil ait bien été effectué sur 24 heures. L'urée va permettre d'avoir un reflet des apports protéiques des patients. La glycémie et l'urée, les apports en sucre. Et la natrémie, les apports en sel. Et une fois ce premier bilan réalisé, et ce que je vous disais également, c'est que le volume, c'est le facteur le plus important à regarder. C'est ce qui va conditionner, dans la grande majorité des cas, la lithogénèse. Donc, une fois ce premier bilan réalisé, en l'absence d'anomalie, on va pouvoir faire un deuxième bilan, qui est un bilan de deuxième intention. On va chercher des choses un petit peu plus fines, une oxalurie, une citraturie, un test de PAC, qui est un test de charge en calcium, en conditions contrôlées, qui va permettre de démasquer une hyperparathyroïdie, éventuellement une parathormone si on suspecte une hyperparathyroïdie. En fonction de ce bilan de deuxième intention, on va pouvoir adresser les patients pour une prise en charge spécialisée auprès d'un néphrologue, d'un endocrinologue ou encore d'un nutritionniste. Alors maintenant, comment prévenir la récidive chez les patients? Parce qu'on a quand même ça à cœur, même si ça nous donne moins de travail. Essentiellement sur des concepts diététiques. D'abord, tous les patients lithiasiques doivent augmenter leur apport en boisson au-delà de 2 litres par jour.
Et sans trop se mouiller, on peut dire à tous les patients, quel que soit leur type de lithiase, qu'il faut qu'ils consomment plus de 2 litres par jour d'eau plate. Et l'eau du robinet, c'est encore la meilleure source d'eau plate pour cela. Elle est contrôlée pour les minéraux à peu près dans toutes les localités françaises. On ne prend aucun risque à dire cela. Il faut leur dire d'avoir une activité physique régulière et un régime normocalorique, de limiter leur apport protidique à moins d'un gramme par kilo et par 24 heures, leur apport en sel à moins de 7 à 8 grammes par 24 heures, limiter les aliments riches en oxalate, en particulier dans les calculs d'oxalate de calcium qui sont les plus fréquents. Donc, les apports en oxalate, c'est le chocolat noir. Et on peut dire aux patients de limiter leur apport en chocolat noir à 2 carrés par jour. Les fruits secs, amandes, pistaches, etc. Et certains légumes verts. Et enfin, de limiter la consommation en sucre. Bref, d'avoir une alimentation saine et variée. Après, en fonction de l'analyse du calcul qu'on aura pu récupérer par urétéroscopie, on va pouvoir affiner cette prévention des récidives et cette diététique. Pour les lithiases oxalocalciques, qui sont les principales et les plus fréquentes, comme je vous le disais, il va falloir assurer un apport normal en calcium, autour de 800 mg par 24 heures, ni plus ni moins. Si on a des apports calciques qui sont supérieurs à ces valeurs, on favorise les calculs de calcium. Au contraire, si on a des apports qui sont inférieurs à ces valeurs-là, on va favoriser les calculs d'oxalate. Donc, chez des patients qui aiment les produits laitiers, on va leur conseiller de poursuivre la prise de produits laitiers à raison de 2 à 3 maximum par jour, en se méfiant de certains fromages qui apportent beaucoup de calcium, comme par exemple l'emmental ou le parmesan. Chez les patients qui n'ont pas d'apport en laitage, on peut leur conseiller des eaux calciques, comme la Contrex, par exemple. Réduire l'apport en oxalate, donc chocolat, cacao essentiellement, et le traitement étiologique éventuellement d'une hyperparathyroïdie primaire. Pour les lithiases d'acide urique, donc ça, c'est des patients qui sont totalement différents. C'est généralement des patients plus âgés, aux alentours de 65 ans, avec éventuellement un syndrome métabolique, des antécédents de goutte, etc. Donc, chez eux, il va être important de réduire les apports en protéines animales, éventuellement d'assurer une alcalinisation des urines par apport de bicarbonate. Les lithiases d'acide urique ne se forment qu'en pH urinaire acide, et donc par un apport d'eau de Vichy qui va rendre les urines basiques, vous allez pouvoir diminuer la fréquence des lithiases uriques, voire faire fondre les lithiases existantes. Et éventuellement, lorsqu'on n'arrive pas à régler le problème comme cela, on peut conseiller un traitement hypouricémiant. Les lithiases cystiniques, alors ça concerne assez peu de patients, c'est des lithiases qui sont liées à une maladie génétique. Et qui impose des règles diététiques draconiennes, puisqu'il faut que ces patients consomment au minimum 3 litres, mais généralement c'est 4 litres par 24 heures, pour assurer un pH supérieur à 7,5. Ils doivent également exclure de leur alimentation tous les apports en méthionine, c'est présent dans des aliments relativement peu consommés, et assurer un régime hyposodé. Enfin, certaines lithiases sont d'origine infectieuse. On voit ça en particulier chez les femmes. Et donc, le traitement va consister en l'ablation des calculs et éventuellement en une antibiothérapie prolongée. Une fois cette première prise en charge réalisée, le suivi des patients va consister chez les patients qui ont présenter une colique néphrétique d'évolution favorable spontanée par un suivi en réalisant des examens d'imagerie les moins irradiants possibles. Donc, on va leur proposer de réaliser un ASP et une échographie urinaire tous les 15 jours pour suivre la migration du calcul. Un traitement spécifique du calcul, si celui-ci n'a pas été évacué spontanément, à 4 à 6 semaines. Et lorsqu'il a été nécessaire de réaliser un traitement urologique par urétéroscopie, par exemple, on va réaliser un ASP, une échographie, 1 à 3 mois après le geste en fonction des résultats péropératoires, puis des contrôles semestriels ou annuels en fonction des résultats. Et un suivi biologique par un bilan phosphocalcique initial dont on a parlé, qu'on va répéter après la mise en œuvre des mesures diététiques. Voilà un petit peu ce que nous voulions vous dire sur les calculs urinaires et leur prise en charge. Donc, je crois que
vous avez vu pratiquement tous les membres de notre équipe, sauf le docteur Gabay qui vient d'arriver. Donc le docteur Karim Ferry qui vous a fait la présentation, le docteur Alan Lipsker qui a réalisé la présentation sur la prise en charge chirurgicale, le docteur Gabay qui vient de nous rejoindre et le docteur Adam Vardy moi-même sur la prise en charge métabolique des calculs. Ce que nous voulions vous dire, c'est que donc, nous sommes chirurgiens et urologues, qu'évidemment, on est tout à fait en mesure de prendre en charge, d'un point de vue chirurgical et médical, les calculs et leur prise en charge initiale du point de vue métabolique. Nous sommes épaulés par une équipe de radiologues à la clinique de l'Alma et également au centre d'imagerie médicale Tourville qui nous permettent d'avoir des scanners en urgence tous les jours de la semaine. Et lorsque nous en avons besoin, nous pouvons également compter sur une nutritionniste et une néphrologue qui font partie de notre équipe à la clinique de l'Alma. La clinique de l'Alma nous permet de réaliser nos hospitalisations complètes et en ambulatoire. Les urétéroscopies sont réalisées en ambulatoire dans à peu près 90% des cas. Nous avons sur site le bloc opératoire, les examens biologiques et radiologiques et la consultation d'anesthésie. Voilà, je vous remercie.